progrès social et démocratique. Pour l'Afrique, production, l'impérialisme, le colonialisme, le racisme et l'apartheid. Vive la paix! Rien ne vaut la paix. Sans la paix, on ne pourra jamais avancer. Guinéens et Guinéens, donnons-nous les mains. C'est tous ensemble qu'on pourrait y arriver. Mes chers Guinéens, oui c'est notre emblème, le rouge et le vert. Vivons ensemble pour que la Guinée avance. Acceptons-nous les uns les autres pour une Guinée meilleure. Pas besoin de soucis ou malinqués, yeah. Pas besoin de kizi ou gazé, non. C'est tous ensemble qu'on pourrait y arriver. Nos rouges jaunes verts et notre fierté. Travail, justice, solidarité et notre devise. La Guinée qu'on a créée la femme. Château de l'Afrique de l'Ouest. Ton indépendance depuis 58. En tes 14 jours, je résume toute l'Afrique. Oh, Guinée. Guinéens et Guinéens, donnons-nous les mains. Le silence, yeah, devant le crime. C'est tous ensemble qu'on pourra y arriver. À ces, yeah, implications de responsabilité. Le rouge en vert est notre fierté. Personne n'a, yeah, le monopole de la vérité. Et la contradiction politique est une essence de dynamisation de la vie dans un pays. Suis fier d'être Guinéen à 100%. Suis fier de la Guinée de Sékou Touré à 100%. Suis fier de la Guinée de Déli Diallo, de Barry Yawadou, de Kéndé Namdé Madoudo, ici Kabaketa à 100%. Je suis fier de la Guinée de Samori Touré à 100%. Je suis fier de la Guinée de Dina Salifou, des Coco Dono, des Egbela Toba, des Tamba Kissi, fondateur de Kissidou, Alpha Yaya Diallo. Et à 100%, Guinéens et Guinéens, donnons-nous les mains. Ah oui, donnons-nous les mains. C'est tous ensemble qu'on pourrait y arriver. Chez nous, on ne manque de rien. Nous avons tout chez nous. La bauxite, le diamant et le pétrole. Le café, cacao, ananas et banane. A bon bon ben. N'a oui pas les bon bon ben. A bon bon ben. A bon bon ben. A bon ben. A bon bon ben. Pas la trahison, pas se faire vendre au régime étranger, percevoir des sommes, prendre les armes contre son propre peuple. Ça, c'est l'indignité, la forfaiture. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Signé, signé
Ahmed Sékou Touré, président, l'ex-président de la République de Guinée, président qui nous a donné l'indépendance, c'est lui qui signe sur cette chanson d'Amiral Dag Kamano en introduction et en outro, la sortie, où le président Ahmed Sékou Touré appelle les Guinéens à la paix. J'ai pris. Alors, installez-vous bien, parce que encore, ça va les faire mal. Installez-vous bien, Amiral veut parler. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout un chacun. Je pouvais commencer comme j'ai l'habitude de répondre à vos salutations, mais aujourd'hui, c'est que le contexte est différent parce que je suis énervé, je suis en colère contre ce nommé Mohamed Bangoura alias Lion, l'émissaire du CNRD, pour son discours à caractère ethnique, divisionniste, à Cancan, face à la coordination mandingue, face à la communauté mandingue. Pour ceux qui sont là, il est de mon devoir, vous allez m'excuser, parce que nous avons certains parmi nous ici qui me suivent, c'est des blogueurs comme moi, en qui j'ai beaucoup de respect. Je vais parler de ma sœur Guilavogui et Elisabeth. Je vais parler de beaucoup, beaucoup qui sont là, qui tiennent chaque jour à sacrifier leur temps pour venir vous parler de la Guinée, qui sacrifient leur programme, leur temps dont chacun a besoin pour venir nous parler de la Guinée. Installez-vous bien, je suis fier de vous. Merci pour tout le regard que vous portez au combat que je suis en train de mener avec vous depuis belle lurette. Ce qui m'a fait mal, je me demande si réellement la Guinée nous voulons arrêter avec nos vieilles habitudes. Si nous voulons vraiment avancer, je me demande, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que la Guinée est prête à abandonner ses anciennes habitudes, ses anciennes pratiques pour aller de l'avant? Ça me fait mal. J'ai été estomaqué. Je ne sais pas comment vous le qualifier dès que j'ai lu la vidéo de ce monsieur. Merci ma sœur Elisabeth, merci. On est ensemble et merci pour tout ce que tu fais pour la Guinée. Je sais que tu es constant dans ce que tu fais, merci beaucoup. Je ne pouvais pas choper sur ça, il fallait que je te le dise. Merci pour tout le combat que tu es en train de faire toi aussi, à ta manière, parce que c'est ce qui fait la beauté de la Guinée. Chacun a sa manière de faire le combat pour la prospérité et le développement de la Guinée. Merci. À tous ceux qui sont là, c'est leur façon aussi de faire ce combat en nous regardant et en partageant nos avis ensemble. Je vous dis aussi merci. Donc, je dis, j'ai été estomaqué de voir un monsieur en qui toute la République porte confiance. Tout un peuple que le CNRD porte confiance pour l'envoyer vers la Haute-Guinée, pour aller s'adresser aux sages du Mandingue. Un monsieur qui laisse son devoir et vient nous faire des atalakous comme à la 2010. Et de là, je donne maintenant, nous allons donner raison à Tierno Monenembo. Pour vous, ceux qui n'ont pas encore lu cette vidéo, partez, vous allez lire cette vidéo, vous allez donner la raison à Tierno Monenembo.
Vous allez comprendre que Amiral ne soutient jamais dans le mensonge. Amiral ne soutient pas parce qu'on doit lui payer, non. Quand j'ai soutenu, quand j'ai fait une turbine pour répliquer contre les détracteurs de Tcherno Monenembo, les gens sont venus sur ma page, d'autres dans ma boîte, pour venir m'insulter. Mais je suis égal à vos injures, je l'accepte. Qualifiez-moi de tout ce que vous pouvez, j'accepte. Parce que ces injures-là, c'est pour la Guinée, je les prends. Mais voilà que vous venez donner raison à Tcherno Monenembo. Il vous a parlé de l'arnaque de 2010. Il a averti, il a alerté en disant au président Mamadi Doumbouya, s'il reproduisait l'arnaque de 2010, ça fera mal en Guinée. Voilà, même pas un mois, même pas deux semaines, l'arnaque de 2010 s'est reproduit déjà en Haute-Guinée, à Cancan. Un émissaire du CNRD vient commencer à reproduire l'arnaque de 2010. Le monsieur, dans sa communication, nous fait comprendre que la Guinée s'appelle Mandeng. Que la Guinée, c'est Mandeng. La Guinée, le pouvoir, c'est Mandeng. Ça sert à quoi, monsieur? Et il s'est dit fier. Ou il dit hautement dans sa vidéo que le pouvoir n'est pas fait pour le Soussou. Que le pouvoir est fait pour Mandeng et que le Soussou est fait pour donner le pouvoir au Malinké, c'est-à-dire à Mandeng. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On ne peut pas aujourd'hui, à l'heure actuelle que nous sommes, de dire que tel a le droit d'avoir le pouvoir en Guinée, tel ne peut pas avoir le pouvoir en Guinée, tel c'est lui le faiseur de roi, tel c'est comme ça, ça ne peut pas aller. Et sur le point, ce qui me fait mal, le monsieur vient nous parler pour nous dire que Doumbouya appartient à Mandeng, que Doumbouya c'est pour Mandeng. Doumbouya est de Mandeng. Son père est de Mandeng. Sa mère de Mandeng. Doumbouya est 100% Mandeng. Mandenka. Je n'aime pas ça. Je déteste ça. Doumbouya n'est pas de Mandeng. Doumbouya est un Guinéen. Doumbouya est un Guinéen. C'est ce que nous donnons aujourd'hui. C'est ce que nous devrons aujourd'hui prouver aux Guinéens. Séparer l'exécutif. Séparer. Il faut déconnecter le pouvoir à l'ethnie, il faut déconnecter. Ne nous prouvez pas dans ce pays que quiconque prend le pouvoir, il faut regarder directement il est de quelle ethnie ou il est de quelle région pour donner l'appartenance du pouvoir à la région, l'appartenance du pouvoir à l'ethnie. C'est ça nous nous battons contre. On est contre cela. Déconnectez-nous ce système. Déconnectez-nous ce système. Pourquoi vous voulez nous faire croire aujourd'hui en Guinée que si un Kamano prend le pouvoir, c'est directement les Kissi qui ont pris le pouvoir? Pourquoi cela? Ça ne marche pas comme ça. Monsieur Mohamed Lyon, je ne sais pas, Bangoura, ça ne marche pas comme ça. Dans tes propos, tu manques la dignité de toute une communauté. Tu manques la dignité à toute la République. Et tu te dis que c'est toi l'émissaire des personnes dont nous avons confiance. Je peux te comprendre. Parce que tu es dans l'élan de faire plaire aujourd'hui le CNRD auprès du Mandeng. Je peux te comprendre. Mais va avec une base véridique. Va avec une base légale. Dis-les, le pays était à l'eau. Le pays était pourri. Il faut qu'on le reconnaisse. Si Alpha Condé était président, Alpha Condé n'est pas venu président pour le Mandeng. Si Alpha Condé était président, ce n'est pas le Mandeng qui était président de la République de Guinée. Mais c'est Alpha Condé qui était président. Si Alpha Condé a échoué sa présidence, ce n'est pas... Donc je disais que si
Alpha Condé échoue dans sa gérance. Ce n'est pas le mandin qui a échoué dans cette gérance. Mais si vous continuez à connecter cela, vous allez faire en sorte que dans ce pays, quiconque prend le pouvoir, on va dire que c'est une ethnie qui a pris le pouvoir. Et c'est ce que ce monsieur veut nous montrer. Comment un monsieur qu'on envoie et que tout le monde est en train de suivre ce qui se passe du côté de Cancan, le monsieur va aller parler dans un sens de division. Vous donnez alors raison à Tchernomone Nambo. Vous lui donnez raison. Nous sommes en train de nous battre comment déconnecter ce système d'ethnie au pouvoir guinéen. Je l'ai dit tout récemment, je l'ai dit que il ne faudrait pas que le peuple pense que en parlant de Teli Diallo, en parlant de Barry Diawadou, en parlant de comment je vais dire, de Alpha Yaya Diallo, que ça veut dire que c'est le peuple qui a attaqué. Non. Je dis, il ne faudrait pas qu'un malinqué pense, en parlant de Sékou Touré, en parlant d'Alpha Condé, que c'est le malinqué qu'on est en train d'attaquer. Non. Je dis, il ne faudrait pas que le Soussou pense, qu'en parlant de l'ancien Akonté, que c'est le Soussou qu'on est en train d'attaquer. Ou en parlant de Sidi Touré, que c'est le Soussou en attaque. Non. Il en est de même quand on parle de Papa Koli, ou qu'on parle de Faya Milimuno, qu'il faut dire qu'on parle de Guerzé ou de Kissi. Non. C'est pas ça. Nous parlons de nos élites. Nous parlons de nos chefs. Qu'on a en commun, toutes les ethnies en République de Guinée ont en commun. Une fois que tu deviens président de la République, tu n'appartiens plus à une ethnie, mais tu appartiens à la Guinée. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Pourquoi nous, pendant 63 ans, nous sommes comme ça là? Vous n'arrivez pas à comprendre ça. Vous venez avec vos discours pour encore prendre la charge que vous allez mettre sur la communauté malinké. Quand Doumbouya va échouer, quand les gens vont encore sortir pour dire que c'est les malinké qui ont échoué, vous allez dire que nous sommes ethno. Pendant que c'est vous qui venez nous apprendre cela, vous voulez faire que le pouvoir là appartient encore au mandin. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous voulez nous prouver encore que le pouvoir là, c'est un pouvoir du mandin. Ce n'est pas un pouvoir du mandin. C'est le CNRD qui a pris ce pouvoir. Nous connaissons que le CNRD. On ne connaît ni Peul, ni Kissi, ni Guerzé, ni Malinké pour dire que c'est eux qui ont pris le pouvoir. Non, c'est le CNRD. Et dans sa définition, il est dit Comité National pour le Rassemblement et le Développement. Hein, monsieur? Où était ton analyse là? D'où tu as eu ça? Pourquoi prendre la charge de la mettre sur Doumbouya? Tu vas aller plaider dans la fausseté les sages de Cancan pour leur dire que ce qui m'a fait mal, encore je vous répète, hein, le monsieur ose de dire devant tout le monde que si ce n'était pas un malinqué qui avait pris ce pouvoir-là, si c'était un peul qui avait pris, un soussou qui avait pris, un forestier qui avait pris, ou un baga qui avait pris, que le mandin n'allait pas être là où ils sont là aujourd'hui, ils seraient en train de se chercher. Qu'on serait en train de s'entretuer aujourd'hui, parce qu'il a dit, Antoun Katoanyom Bombonale, il fait la main comme ça. C'est quel discours? Mon frère, tu es passé de côté. Si le CNRD pense au devenir de la Guinée, ils doivent carrément rappeler ce monsieur-là. Ils doivent le rappeler à la raison. Parce qu'il est en train de détruire l'image du mandin. Il est en train de détruire l'image des sages de mandin. Comment il peut oser dire que si une autre personne faisait le coup d'état là à Alpha Condé, que si ce n'était pas un malinqué qui avait fait ce coup d'état, que les malinqués allaient fuir, comment il pouvait le dire? Ou on allait s'entretuer? Comment il pouvait faire? Comment il peut mettre ça dans la tête des sages? Ce n'est pas comme ça qu'on règle la tension. Ce n'est pas comme ça qu'on règle des problèmes.
c'est pas du tout bon. Je suis dessus. Le monsieur continue. Il est fier. Je suis en train de parler de Mohamed Bangoura, alias Lion. Parce que je vois des questions. Je suis en train de parler de Mohamed Bangoura, alias Lion, l'émissaire du CNRD à Cancan, auprès des sages de Cancan. C'est de lui que je parle. Il est sous, il le dit bien, je suis sous. Mais je vais vous montrer, je vais vous dire, le sous n'est pas fait pour le pouvoir. Que le sous donne le pouvoir au Manding. C'est le sous qui donne le pouvoir au Manding, mais le sous n'est pas fait pour le pouvoir. Monsieur Bangoura, ce tarnacle-là qui a été fait en 2010, pour que tu prends deux communautés pour mettre ensemble, c'est-à-dire tu veux parler du Soussou et le Malinké ensemble pour soutenir Doumbouya, on n'en a pas besoin. C'est toute la Guinée qui a soutenu Doumbouya. C'est toute la Guinée, l'histoire de la Guinée. Nous, ce n'était pas l'affaire d'ethnie. C'était celui qui était là. La mauvaise gérance. La dictature d'Alpha Condé, on était contre. Mais personne n'était contre le Malinké. Je vais te dire ça. Personne n'était contre le Malinké. Pour preuve, à la prise du pouvoir, tu as fêté l'indépendance où? Dans les rues de l'Axe. Et tu étais accompagné par qui? Le peuple de Guinée. Malinké, Soussou, Peul, Kissi, Guerzé, Baga, Thomas, Landouma, Migifore, tous étaient dans les rues pour fêter l'indépendance avec Doumbouya. Toi, tu vas venir nous parler que les autres, tu dis carrément que les autres vont rire de Doumbouya. Tu nous traites d'autres dans ce pays? Tu nous traites d'autres dans ce pays? Tu es en train de dire, inciter ceci-là pour leur dire que les autres sont assis en train de voir comment vous allez vous comporter avec votre fils. Tu as dit ça en bon malinqué. Kotol sini ki ma fene, kalma fene, alke alial de mina la nyamikan. Toho le John Deodi. Qui est ce Toho? Nous sommes tous Guinéens. Doumbouya est Guinéen. Il n'est ni malinqué, il n'est ni Peul, il n'est ni Soussou. Pendant. Au moment où il a ce pouvoir en main, il a le pouvoir pour la Guinée, mais il n'a pas le pouvoir pour le Manding, il n'a pas le pouvoir pour Fouta, il n'a pas le pouvoir pour l'Empire Soso, ni pour la forêt. C'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Mais je suis désolé. Je suis désolé que tu arrives jusqu'à ce point. Tu pouvais arranger avec eux. C'est pour cela que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous avez vu sur ma page. Moi, quand c'est bon, je dis c'est bon. Il y a un leader, un jeune leader aujourd'hui qu'on appelle Mori Kaba, qui est passé dans les EG. Dans son discours, j'ai aimé. Lorsqu'il dit, Doumbouya, le passé te pardonne. Le présent t'observe. Et l'avenir te jugera. Voilà, c'est ça. C'est ça. Doumbouya, hier, Doumbouya était avec ce clan mafieux qu'on s'est battu contre, qui est Alpha Condé. Il était le protégé d'Alpha Condé. Mais là, à la différence de ce que Doumbouya a fait, la différence entre lui et les autres qui étaient avec Alpha Condé, Doumbouya a préféré servir le peuple que de servir un homme. Doumbouya a fini par faire une prise de conscience en pensant que je préfère soutenir la Guinée que de soutenir Alpha Condé. C'est là la différence entre Doumbouya et Diané,
entre Doumbouya et Damaro, entre Doumbouya et Kassori, entre Doumbouya et Bantamasso, entre Doumbouya et Jean-Marc Teliano, entre Doumbouya et Papa Koli, entre Doumbouya et tous ces anciens dignitaires du pouvoir d'Alpha Condé. Doumbouya a préféré la Guinée que de servir Alpha Condé. C'est pour cela le passé lui pardonne. C'est pour cela le peuple de Guinée lui a pardonné et est sorti l'acclamer parce que nous savons dans quel trou on était. Maintenant, le présent qu'on est là, nous sommes en train de vous observer. C'est pour cela que le monsieur dit, le présent l'observe. Nous sommes en train d'observer Doumbouya. Si nous l'avons pardonné pour le passé qu'il a eu avec Alpha Condé, le présent est en train de l'observer. Nous sommes en train de l'observer. Et l'avenir lui jugera. Et je vois que ce monsieur, Mohamed Bangoura, est en train de mettre à l'eau tous les discours de Doumbouya. Tous les discours de rassemblement de Doumbouya, ce monsieur est en train de les mettre en l'eau. Parce qu'il est en train de reproduire typiquement l'ethnostratégie de 2010. 3-1. Ils l'ont fait en 2010. Il commence déjà 2-2. Parce qu'il exclut nous, la forêt. Il exclut la moyenne Guinée dans son discours pour dire que c'est le Soso qui donne le pouvoir au Manding. Le Soso sert le Manding. C'est comme nous dire que le Soso et le Manding sont ensemble. Et nous autres, on est où? On est où? Nous ne sommes pas guinéens. Si tu dois les demander pardon, viens avec des mots franches. Avec la vérité. Mes chers parents, mes chers sages, l'heure n'est plus à la haine. L'heure n'est plus à cette division. Nous étions dans un trou qui ne disait son nom. Il faut le reconnaître. Malgré que celui qui a quitté aujourd'hui au pouvoir est un de nous, comme vous l'avez dit. Parce que c'est ce que vous aimez dire. Au lieu de dire que c'était un président pour tout le monde qui a manqué de servir la Guinée, il s'est mis au service d'un clan. D'un clan mafieux qui nous a tous trompés en République de Guinée. Tout le monde. Donc, l'heure n'est plus à la division. Mettons-nous ensemble. Tu sois Malinké, tu sois Peul, tu sois Diakanké, tu sois Kissi, tu sois Thomas, tu sois Guerzé, tu sois Landouma, tu sois Soussou. Mettons-nous ensemble pour construire notre République, pour une Guinée nouvelle. C'est ce que tu devrais dire. Mais ces discours démagogiques, ces discours ethniques, ces histoires sans fondement, parce que tu as raconté des histoires que je ne peux pas reprendre le tout, ces histoires-là sont archi-faux. L'histoire du Manding que tu as raconté est archi-faux. C'est moi, je te le dis. Si tu as besoin d'une histoire réelle de la Guinée, je peux te l'apprendre. Monsieur Mohamed, moi, je peux te l'apprendre. Parce que pas même 5 jours, pas même une semaine plus tôt, j'ai retracé l'histoire de la Guinée à travers la sortie de Tcherno Monenembo, que tout le monde a vocifié, les gens ont vocifié Tcherno Monenembo en Guinée, pensant que c'est un ethno et autre. Maintenant, ce monsieur qui est en train de nous parler que les gens allaient fuir, on allait s'entretuer en Guinée si ce n'était pas un Malinké qui a fait le coup d'État. Il est qui? Il est pur ethno que tout le monde en Guinée. Ça, c'est de l'ethno-stratégie. On ne peut pas laisser ça. On doit en parler. Même s'il est du CNRD. C'est ce qu'on appelle la Guinée. Vous pensez que parce que vous avez pris le pouvoir, que vous êtes permis de diviser les Guinéens? Vous avez pris le pouvoir pour les Guinéens, mais vous n'êtes pas permis à venir diviser la Guinée. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas vous l'accorder. Ce pardon-là, vous devrez le demander au peuple de Guinée. Vous devrez demander pardon à toutes les communautés en République de Guinée. Parce que vous êtes en train de mettre le monsieur-là à l'eau.